Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0 et ça sent les fêtes. Ça sent les fêtes, pourquoi? Eh bien parce que nous allons parler caméra, caméscope, appareil hybride. Digital hybride. Hybride. Beau cadeau. Ouais. Nous allons parler dans les jeux vidéo de grandes sorties, Harry Potter, James Bond et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, plus fête que ça. On va même pouvoir gagner des jeux sur Xbox. Tout à fait, on aura deux exemplaires de Halo, ce jeu culte à gagner sur Xbox. Voilà, et puis il y aura encore plein d'autres choses, j'ai oublié. Ah oui, on va parler de Pâques aussi avec les Easter Eggs de Rudy Léonet. Ce sont des petits bonus cachés dans les DVD. Voire même des gros bonus parfois. Et donc voilà. En gros. Et on va aussi parler de Flash, et notamment on va découvrir. Mais oui. Encore. On va parler de Flash. Non, ça fait longtemps, Xavier. Et on va surtout découvrir le gagnant des Flash Awards cette année. Ah oui, oui, d'accord. Donc plus. C'est toujours la même. Apprendre à faire son site, mais bien regarder ce que font vraiment les pros. Qui a tout raflé déjà au Web Awards. Je sais plus. Il y avait une jeune fille qui avait tout raflé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ça l'a fait. On sait. Voilà. C'est la fin. Alors. Une caméra décédée. Technologie, les caméras. Oui. Est-ce que ce sont. Les spots nous tombent dessus. Qui fait son Michael Jackson aujourd'hui? Technologie cadeau. Bah évidemment, avant les fêtes. On approche tout doucement des fêtes. Moi je prends la 2 mégapixels. Voilà, alors, oui, on va commencer à parler de mégapixels puisque. Oui. Les appareils photo, on monte dans les mégapixels, ouais. On est à 22 mégapixels annoncés lors de la dernière Photokina, le grand salon de la photo. Ben, on commence à augmenter également dans les caméras vidéo, dans les caméscopes numériques. Et de surcroît, il y a une combinaison qui se fait maintenant entre le caméscope qui se font également appareils photo. D'accord. Donc c'est-à-dire que sur un même appareil, on peut prendre de la vidéo et des photos. Alors, jusqu'à présent, c'était pas génial, ça existait déjà, mais c'était pas génial parce que les capteurs n'étaient pas suffisamment bons. Mm-hmm. On n'avait que 800 000 pixels, ce qui est pas génial, n'est-ce pas, Gilles? Bien sûr. Voilà. Et maintenant, on commence à augmenter tout doucement. Gilles est très très pixel. Il est très pixel, Gilles, oui, tout à fait. Un peu trop d'accord. Alors, d'abord, on va commencer avec une Sharp qui est un 1,3 mégapixels. Et ça, c'est un appareil photo? Non, c'est une caméra vidéo dans laquelle il y a une cassette, mini DV, voilà, et dans laquelle il y a une petite carte qu'on peut mettre ici sur le côté, voilà, SD ou MMC. Donc ça n'est pas permet, un cadre poste. Voilà, ce qui permet de prendre des photos à une définition de 1,3 mégapixels, ce qui permet de faire des tirages en 10x15, mm-hmm. C'est-à-dire les tirages de, pour papa et maman, en gros. Sur son imprimante. Sur son imprimante, ou chez le photographe aussi, ça existe, hein, ou via Internet. D'accord. Alors, 1 mégapixel, ça vaut 1 300 €. Et on peut montrer l'écran qui pivote? Moi, je trouve ça trop. Ah oui, l'écran qui pivote, voilà. Hop. Ouais, c'est vachement bien. On dit que l'écran rote. Voilà, il rote? Oui. Oui, il rotate. Il rotate, voilà. Alors, 1 mégapixel, 2 mégapixels. 2 mégapixels. Non. Tu remarques ça ressemble un peu plus à une caméra. Plus le nombre de mégapixels augmente, plus la caméra réduit, en fait. Voilà, en tout cas dans ce cas-ci. Parce qu'après, ce sera plus vrai. Et bon, plus le prix augmente, parce qu'ici on est au double, on passe de 1 à 2 mégapixels, on passe de 1 300 € à 2 500 €. Et on a une caméra micro MV, voilà. C'est-à-dire un autre format. Ce n'est pas du mini DV, c'est un autre format de cassette vidéo qui est plus petit encore, qui est micro, au lieu d'être mini, est micro, ça va. Qui est exclusivité Sony. Non, mais qui est une exclusivité Sony, bon. Une fois de plus, Sony aime bien faire des choses particulières. Ouais. Bon, Jean-Marc Panis, qui réalise l'émission, il n'hésite pas à intervenir pour le cadrage. Voilà. D'accord, Jean-Marc, il suffit de demander. Et ça fait donc 2 mégapixels et idem pour les photos. Est-ce que l'écran n'est pas un petit peu petit? L'écran est un petit peu plus petit, mais il est tactile. C'est-à-dire qu'on peut tactile, le commander quand, au lieu d'avoir un menu. Sais-tu où se trouve le stylet, Philippe? Le stylet, il n'y a pas de stylet. Il y en a un qui se ronge un ongle. Il ne faut pas manger vite en même temps qu'on filme, parce qu'après c'est tout gras. Exact. Voilà, j'ai trouvé le stylet avant lui. Exactement. Il y a un stylet qui permet de commander les menus grâce à ça. Voilà. Moi qui n'y connais rien, elle est moche. Mais l'autre, elle est super jolie. Quoi. Alors, il y en a une troisième. Écoute, c'est très bien, moi je prends celle-là, c'est parfait. Okay. J'avais réservé celle-là. Non, c'est celle-là que tu avais réservée. Très bien, celle-là. La troisième, elle est pour Jean-Marc. Voilà. Alors, 1 mégapixel, 2 mégapixels,
3 mégapixels. Xavier, enfin, voilà. 3. Et là, on commence à arriver quand même à quelque chose de pas mal. Gros engin. De gros engins, mais 3 mégapixels en vidéo, c'est proche du professionnel. Mm-hmm. Mais en photo, ça permet déjà d'avoir de bonnes choses. Ça permet de faire des tirages en format A4, donc 20 x 30 à peu près, mm-hmm. si on veut le faire, si on veut imprimer. Mais également, ça permet de recadrer, puisque par définition, on peut recadrer plus facilement. D'accord. Et d'avoir toujours une image de bonne qualité. Et ça, ça vaut... En fait, elle vaut le même prix que la Sony. Elle vaut aussi 2600 euros, pardon. Et ça, c'est quand même une des nouveautés qui a été présentée à la Photokina. Ce qui est important de signaler, c'est qu'elle est tri-CCD. Ah, oui. Et elle est tri-CCD. Donc la qualité de la chromie est très importante. Voilà, il y a 3 capteurs qui sont là, un pour chaque couleur. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais rien que le display est d'une définition absolument incroyable. Et donc, c'est un peu la tendance. Il y a de la vidéo possible sur les appareils photo et il y a maintenant de la photo possible sur les caméras vidéo. La question est-ce que c'est réellement intéressant ? Oui. Parce qu'il faut bien savoir que pour monsieur tout le monde, sur une télévision, en tout cas la définition qu'on a, ceci est largement suffisant en vidéo. Mmh. Et que pour ce prix-là, on a à la limite un appareil comme celui-là, à 1300 euros, et qu'on peut malgré tout avoir... Si on enlève les 2600 moins 1300, ça fait 1300. Pour 1300 euros, on peut avoir un très bon appareil photo qui fait 4 voire 5 mégapixels. Ah oui, d'accord. Okay. Mais on a deux appareils, donc c'est un peu à voir. Mais la tendance est quand même malgré tout à avoir des hybrides. Peut-être un tout petit peu mot sur le fait que celle qui est à 2 mégapixels, dont le prix est un peu plus élevé, permet aussi d'envoyer des photos par Bluetooth. On a fait un test tout à l'heure, donc on peut envoyer de la caméra une photo sur son appareil téléphonique ou sur son ordinateur. Voilà, sans fil. Dans un rayon de 10 mètres. Donc avec ça, on peut envoyer une photo vers un téléphone, par exemple. Et du téléphone, l'envoyer par MMS. Sujet. On reste dans l'image et le MMS dont on parlait. Dont on parle tout le temps, ça épate Gilles et JC, je vois ça toujours. Voilà, ça les épate toujours. Non, parce qu'on leur parle maintenant, des MMS, on commence à voir ce que c'est. Voilà. Vous avez vu les pubs ? J'ai reçu un MMS. Mais j'ai pas besoin de vous montrer parce que Paul-Henri l'avait déjà montré il y a des semaines et des semaines. Oui. Et en fait, maintenant, ça y est, c'est lancé. Proximus a lancé vendredi dernier, le service MMS. Bon. Il y a eu une fête pour ça ? Il y a eu une fête, mais nous n'étions pas invités. On n'était pas après la fête là. Voilà. On était pas les gars qui font pipi dans la piscine. Voilà. Pardon. Non, ça c'est Imote. Bah non. Mais si. Bah pas du tout. Mais c'est la publicité Imote. C'est pas grave. Ça se ressemble un peu effectivement. Voilà. C'est un peu le même principe, sauf qu'ici on prend les photos et qu'on les envoie, tandis que les appareils Imote n'ont pas encore, en tout cas, d'appareil photo, mais on peut transférer des photos dessus effectivement. Alors comment ça se passe? Le MMS, donc c'est Multimedia Messaging Service. Oui. Donc c'est des SMS avec de l'image et du son. Oui. Alors le son, on peut l'enregistrer ou le télécharger. Et les images, on peut soit les télécharger, soit les prendre. On vous a déjà montré ça au moins cinq fois dans l'émission, avec une petite caméra. On a montré ça dans multiples marques, et des appareils intégrés comme celui-là. Il y en a partout dans les abribus pour l'instant. Bah oui. Mais maintenant, ça fonctionne juste chez Proximus, c'est-à-dire à peu près chez la moitié des abonnés ou des cartes prépayées GSM qui existent dans le monde. Non, on n'a pas été invités. Il y avait sûrement du champ. Il y avait des miss, il y avait des joueurs de foot. Des pistolets fourrés au haché, sûrement. Enfin, des trucs quoi. Je vais quand même donner l'information malgré tout. Le MMS est gratuit pour tous ceux qui veulent l'utiliser et pour qui ont des appareils compatibles. Est gratuit jusqu'au 14 janvier. Donc l'envoi est gratuit. Après, ce sera 50 euros centimes, donc 50 cents, comme on dit, par message envoyé pour une personne. On peut envoyer à plusieurs personnes en même temps, mais c'est 50 fois. Attraper des girafes avec du gruyère. Hein. Voilà. Et alors, l'info aussi, parce que Proximus veut vraiment aller très fort pour le lancement, c'est que ils ont... Si fort, hein, on n'a pas été invité pour le lancement. C'est qu'ils vont sortir des appareils Sony Ericsson comme celui-ci, par exemple, le fameux T68i qui existe déjà depuis un an. Ils vont les vendre à des prix vraiment hors compétition, je dirais, 229 euros pour celui-ci, 339 pour le T68i, alors que ça vaut à peu près 40% de plus en temps normal. Et en plus, on peut gagner, en envoyant un SMS à un numéro spécial, on peut gagner une caméra, celle-là, donc qui va sur sur les Sony Ericsson. On peut gagner 40 000 caméras, c'est-à-dire pratiquement plus qu'il n'y a de téléphones de ce modèle sur le marché, c'est-à-dire tous les gens qui ont cet appareil. En gros, si vous envoyez, vous avez, à moins de dire une grosse connerie ou de faire une grosse bêtise, on a toutes les chances d'en gagner. Une grosse bêtise. On a beaucoup de chances. Il y en a 4000 par semaine qui vont partir à peu près. Il paraît qu'il y a quand même des gens qui vont regarder, une sorte de jury qui va regarder qu'on n'envoie pas vraiment n'importe quoi. Mais il y en a quand même 4000 qui vont partir. Sauf si des tas de gens qui n'en ont pas l'utilité jouent. Mais ça serait stupide. Mais comme on n'a pas été invité à la soirée, nous allons jouer. Bah ouais, voilà. Ceci est un appel. Voilà.
Et c'est, entre guillemets, ça s'appelle un peu de la subvention déguisée, parce qu'en Belgique, il est interdit de subventionner les GSM, c'est-à-dire de vendre un abonnement avec un GSM quasiment gratuit, comme ça se fait dans tous les autres pays qui nous entourent. Et ici, c'est interdit. Mais avec ça, vous avez l'appareil et vous avez la caméra pour le prix de seulement l'appareil. Voilà. Ah, oui. Et la caméra, normalement, elle vaut 180 euros. Voilà. D'accord. C'est tout. Donc d'accord. C'est l'avenir. Le MMS 2003 sera MMS puisque Mobistar doit y venir prochainement. Et même Baze y pense. Est-ce que pour le moment, si j'envoie un MMS via Proximus, je peux l'envoyer à quelqu'un qui est abonné Mobistar? Non. Non, donc ça n'a actuellement, en tout cas, qu'entre Proximus. Ah oui, ça, c'est mal. Et on peut recevoir des MMS si on n'a pas un appareil compatible MMS. Simplement, on reçoit un SMS sur lequel il y a une référence. Il faut aller sur le site web et avoir un code qui permet d'aller voir la photo. Voilà. C'est bien complexe. Oui. Mais non, ça mais permet ça de voir la photo sur écran, voire exemple. De la reprendre. Oui. Parce qu'on peut t'envoyer une photo, en quelque sorte, directement sur le web, et tu peux la sauvegarder sur ton disque dur. C'est pratique pour toi. Pour l'imprimer ou pour la mettre sur un site. Je parle à Xavier parce qu'il n'a pas de... Mais par contre, tu as un beau chrono sur ton... Tu as vu? Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça suffit. Les jeux, maintenant, voilà, on a montré différents jeux, enfin différents, oui, vraiment, dans tous et les genres. On en montrera encore. Depuis le début de Cybercafé 2.0, avec quelquefois des réactions de différents spectateurs par email ou bien autour de nous, à propos de la violence des jeux ou la violence dans les jeux. Voilà. Et donc, voilà, on va. On s'est dit qu'il était peut-être bon de réagir et de montrer un peu, enfin de donner un peu notre avis ici à nous tous sur la question. Par exemple, Burnout 2, qu'on a montré récemment. Voilà, qui très récemment, Burnout 2 a suscité quelques interrogations auprès des gens qui nous ont écrit, simplement parce que le jeu véhicule effectivement, sans mauvais jeu de mots, des idées, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Qui, non, tu peux pas dire qu'un jeu bagnole des idées, tu vois, il véhicule forcément bah des oui, idées. Forcément. Et qu'est-ce que je disais du coup, je ne sais plus. Que donc, Burnout en fait, 2, voilà. En gros, on peut faire des accidents. Il y a un mode où on fait. Non seulement on peut, crash, on doit faire des accidents qui rapportent plus de dollars possible. Mal, on doit se comporter comme un véritable chauffard. Alors oui, effectivement, on peut considérer que le fond du jeu en lui-même est questionnable. Dans ce cas-là, comme moi je le réponds souvent, et c'est pas une pirouette, je dis bon, dans ce cas-là, on ne cautionne pas et on n'achète pas le jeu. Mm-hmm. Je pense que c'est encore la meilleure solution. Si on n'est pas d'accord avec les idées que véhicule le jeu, on ne l'achète pas, c'est tout. Et puis il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plus grande partie des jeux qui sortent maintenant sont de moins en moins destinés à un public de très jeunes, comme c'était le cas auparavant, et qu'il y a des jeux quand même qui sont très très forts ciblés adultes. Je pense notamment à des jeux comme Unreal Tournament, qui n'est pas vraiment à mettre entre toutes les mains non plus, dont on a parlé, ou plus récemment Burnout 2, qui aussi est à donner à des moins de 15 ans avec certaines réserves, certaines pincettes. Je crois que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on veut absolument donner au jeu un rôle moralisateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... il faut que le jeu soit d'office pédagogique pour avoir une quelconque chance d'exister. Or je crois que c'est pas vraiment le cas, ça reste avant tout un loisir. Et il faut arrêter de chercher des messages moraux ou amoraux dans les jeux, parce que c'est vraiment pas. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à la violence? D'études concrètes, il y a une espèce de guerre de psychologues. Certains disent que les jeux favorisent le développement des pulsions violentes, d'autres disent qu'au contraire ça permet de les atténuer. Donc là on n'a vraiment aucune piste concrète et scientifique pour dire que c'est dans un sens ou dans l'autre que ça va. Donc je crois que là aussi il faut arrêter de tirer sur l'ambulance, et c'est la même chose pour les films et pour toute une série de médias qui sont questionnés régulièrement par rapport au fait qu'ils véhiculent des idées violentes ou On a quand même vu aux États-Unis des adolescents qui ont flingué toute leur classe là, bon, qui étaient forcément apparemment des profils de jeunes gens un petit peu perturbés. C'était des gens qui jouaient aussi aux jeux vidéo. Il y a eu le cas très récemment encore aux États-Unis à Washington avec ce tireur embusqué qu'on a finalement réussi à capturer. On a retrouvé chez lui un ordinateur, un PC sur lequel il jouait régulièrement à Counter-Strike. Mm-hmm. Évidemment, la première réaction de la presse et de tout le gratin politique, c'était de dire oui, mais c'est scandaleux, c'est de la faute des jeux vidéo. C'est pas posé, qui à mon sens est la vraie question, c'est de savoir comment ce gars peut avoir un accès aussi facile à une arme, tout simplement. Ouais. Et je crois que c'est pas une question qu'on se pose aux États-Unis. Non, ça. Parce qu'il y a un lobby tellement puissant de l'industrie, l'industrie des armes aux États-Unis, qu'évidemment ce genre de question on ne se la pose pas, et il est de bon ton de ne pas se la poser. Il faut aussi voir si ça n'est pas parce qu'il est passionné par les armes et l'univers de la guerre qu'il se met à jouer aux jeux vidéo plutôt que l'inverse. Il faut aussi rappeler que les jeux vidéo, c'est des œuvres de fiction. Comme des romans et comme des films, et comme ce sont des œuvres de fiction, je pense qu'elles ont le droit d'être
La censure. Jouer à des jeux vidéo, c'est faire comme si, donc c'est parfois pas plus violent que... Ça reste le jeu, quoi. Ça reste un jeu comme des enfants dans une cour de récréation. D'accord, parfois, oui, on se ces jeux-là, les jeux qu'on joue quand on a 5 ans et qu'on est encore moum, c'est des jeux qui sont parfois plus violents que ce qu'on peut voir dans certains jeux vidéo. D'accord. Je veux dire, c'est une vraie violence physique. J'imagine aussi qu'il y a une réglementation européenne. Sur les jeux vidéo, il y a une réglementation sur les magazines, sur le cinéma. Je ne sais pas si les jeux ont une classification. Classé X, s'ils sont vendus avec des pastilles et des avertissements, c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est voilà. Que le gros problème, c'est que les parents, en règle générale, ne tiennent absolument pas compte de cette signalétique et considèrent jeu enfant. Et donc, jeu comme Vice City, dont on parlera, je crois, la semaine prochaine, est clairement pas un jeu destiné à un jeune public, quoi. C'est un jeu pour adultes. Voilà. Ou alors pour un enfant encadré éventuellement. On reparlera de cette thématique du jeu l'année prochaine, en janvier, puisqu'on vous diffusera une interview, enfin en plusieurs épisodes, d'un petit canaliste qui s'appelle Michael Stora, qui a créé l'Observatoire des médias numériques et qui est donc quelqu'un qui travaille avec les jeux vidéo sur ses patients et sur des jeunes gens, entre autres. Qui soigne même par le jeu, oui. Il soigne par le jeu, oui. Alors, DVD maintenant, oui. Un peu de divertissement. Inoffensif. Je rassure mais les parents, caché. Inoffensif. Approcher les petits-enfants. Donc, on en a parlé il y a quelques semaines, entre autres, à travers une courte conversation avec JC, les fameux Easter Eggs, donc les œufs de Pâques, qui est donc le surnom qu'on a donné à ces bonus cachés dans les DVD. Bon, on sait qu'un CD audio traditionnel, la navigation est de vers l'avant ou vers l'arrière. Ouais. Et s'il y a une plage cachée, elle est forcément avant la plage 1 ou loin derrière la dernière plage. Ouais. L'arborescence d'un DVD comme d'un CD-ROM est beaucoup plus complexe. On peut aller de l'avant à l'arrière, de gauche à droite, mais aussi en oblique, voire en perspective et tracé en profondeur à l'intérieur d'un réseau, ce qui permet évidemment de cacher, de planquer beaucoup plus de choses. Devenu aujourd'hui pratiquement une obligation. La plupart des DVD, je dis bien à la vente et non pas à la location, parce qu'ils sont beaucoup plus sophistiqués et proposent beaucoup plus de choses que les DVD assez simples qui sont là à la location. Ceux qui sont disponibles à la vente proposent des bonus. Et en général, parmi ces bonus, il y en a qui sont absolument cachés et planqués. Alors, comment les trouver ? Ouais. Eh bien, il y a des sites qui existent et qui référencent pour pratiquement tous les DVD disponibles dans le commerce, eh bien, les bonus ou les chapitres qui sont cachés, des petites choses supplémentaires qu'on peut trouver avec un chemin d'accès qui est souvent extrêmement difficile à trouver. Donc, il y a des maniaques, des DVD freaks qui font ça pour vous et qui vont poster leurs trouvailles sur des sites où tout ça est strictement répertorié. Sur le site, on donne le comment titre. Y arriver. Voilà, on donne le titre. On ne montre pas l'easter egg. Hein. On ne le montre pas, évidemment. Il faut aller le chercher le soi-même. D'accord. Mais on peut voter pour l'intérêt ou le non-intérêt de cet easter egg, non sans savoir que sur certains important comme Harry Potter ou par exemple plus récemment Monsters Inc. Ouais. On peut aller jusqu'à 7 bonus cachés, 7 easter eggs. Alors on en a répertorié quelques-uns aujourd'hui. On va commencer par Zoolander, le film de Ben Stiller, où là on peut trouver un easter egg. On va vous expliquer comment y arriver. Voilà, donc en principe on navigue de gauche à droite. Un film complètement second degré, hein. Rudy. Qui est tout à fait second degré. Plus. Et là, il est possible sur Galerie Photo, en cliquant vers la droite, d'allumer le M et on trouve un chapitre caché qui est Ben Stiller, qui vous explique d'ailleurs que vous êtes arrivé là parce que vous avez bien trop surfé sur Internet pour pouvoir trouver l'astuce pour y arriver. Et il montre en fait les répétitions de ce duel de mannequins qu'on peut voir dans le film. Là, c'est la scène de préparation avec l'autre comédien. Sur le DVD des Simpsons, on navigue en principe à la verticale, mais si on clique sur le t-shirt de Bart, il change de couleur. Et là, on a accès à un reportage de la chaîne de télévision américaine ABC. Et ce reportage est consacré à tout le merchandising non officiel que l'on peut trouver sur le marché avec des adaptations des personnages des Simpsons dans des situations en principe non voulues et non autorisées par leurs auteurs. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, on va voir là des piles de t-shirts. Les easter eggs qui ont d'ailleurs une réelle fonction marketing, puisqu'en fait c'est ce qui permet aux DVD de continuer à vivre bien longtemps après leur sortie. Ah ouais, parce qu'on continue à en parler sur un nouveau secret sur le DVD, genre 6 mois après la sortie. Ouais. Et donc du coup on en reparle.
Alors, on pourrait s'imaginer que seuls les films de divertissement proposent donc en, dans leur objectif de divertissement des easter eggs ou des bonus cachés, ben pas du tout. Même les films d'auteur, voire les films du cinéma indépendant américain, proposent aussi des easter eggs, comme par exemple le film Donnie Darko qu'on voit là. Et dans le film, il y a un livre qui est le livre de la philosophie du voyage dans le temps qui a son importance. Alors si on feuillette les pages d'avant en arrière, on a des pages, mais si on clique vers à la verticale et ensuite si on entre dans un des dessins, il y en a deux comme ça qui sont accessibles pour des bonus cachés. On trouve par exemple sur l'appendice B qu'on vient de voir et sur ce squelette un accès à un trailer, à une bande-annonce alternative du film de Denis Darko. D'accord. Est-ce que tu en as trouvé certains par toi-même, Rudy, ou bien Non, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. En général, il faut toujours aborder des sens de navigation qui ne sont pas prévus dans l'arborescence du. On te demande d'aller de haut en bas, il faut absolument essayer d'aller à gauche ou à droite, et c'est là qu'on peut trouver des choses intéressantes. Alors on en parlait avec JC justement il y a quelques semaines à propos du DVD des Smashing Pumpkins qui proposait un bonus, une chanson inédite. Mm-hmm. Le DVD de X-Men, où là effectivement, si on évolue dans le DVD, dans les bonus, il y a un petit cheval là qu'on peut voir sur la gauche. Ouais. C'est pas prévu, mais on peut essayer. On va vers la gauche, on entre. Et là, on a accès à une scène où les acteurs répètent et tournent même une scène du film, alors que un de leurs camarades va arriver par l'arrière, déguisé en Spider-Man, personnage qui évidemment n'a absolument rien à faire pour X-Men. Eux ne s'en rendent pas compte, évidemment, il est dans le dos. Et il s'en va en disant désolé. Ça, c'est vraiment une sorte de tradition d'informaticien, quoi, de programmeur. C'est une tradition de programmeur. Jusqu'au début de l'informatique, on commentait déjà les codes sources des logiciels en mettant des petites loin des logiciels. Les programmeurs ont toujours un sens de l'humour assez. Justement, l'easter egg d'un CD audio, bien, c'est la plage cachée, ouais. La plage fantôme. Mais dans les programmes informatiques, y compris des choses aussi simples que Word, il existe des easter eggs. Donc ça serait intéressant de les montrer peut-être un jour. Ce sont d'ailleurs ceux qui ont lancé la tradition et la terminologie d'easter eggs, les petits œufs cachés. Dans macOS, c'était les premiers à faire ce genre de plaisanterie. Il y en a un peu partout. Et encore aujourd'hui, on en découvre dans les dernières versions de Windows XP ou de macOS 10. Easter eggs. On fera un petit récapitulatif, tiens. Ça serait pas mal. Bonne idée. Il paraît que même les livres proposent des easter eggs. Ah ouais. Ils sont répertoriés sur le site dont on a donné l'adresse tout à l'heure, ex.com. Donc ça peut être intéressant. Spider-Man, X-Men, X-Men 2, on reste dans les grosses pointures avec Harry Potter, le jeu. Oui, on va commencer en fait par la communauté de l'anneau. Ah, on parlera d'accord. d'Harry Potter juste d'accord. après. Oui. La communauté de l'anneau, donc rien à voir avec le Two Towers que Electronic Arts nous a sorti sur PlayStation 2. Il faut savoir que donc il y a eu une espèce de guéguerre autour de la licence de l'anneau. Il y a une licence pour le film, il y a aussi une licence pour le livre. Electronic Arts a remporté la partie film, donc le film de Peter Jackson. Et c'est une société qui s'appelle Black Label Games qui a, elle, de son côté, empoché la licence inspirée des livres et qui nous propose donc un jeu basé sur le livre, mais profitant évidemment du lancement du film aussi pour tirer comme un peu la couverture. Parce que le livre est sur le marché depuis un certain temps. Donc c'est plus qu'un hasard. Oui, c'est, deux mois au moins. C'est une manœuvre. Alors on va pas s'éterniser dessus parce que c'est pas du tout à la hauteur des attentes, même si ça a l'air très beau comme ça, si effectivement c'est très beau et que ça bouge bien et que bon bah c'est le Seigneur des Anneaux, donc si on aime l'histoire évidemment on va être content de pouvoir incarner un des personnages, à savoir soit le Hobbit, soit Aragorn, voilà c'est ça, et le seul problème c'est que ce jeu est énormément buggé. C'est un peu le syndrome Tomb Raider, donc il y a des bugs partout. Quand ce ne sont pas des bugs purement techniques comme du son qui crache ou qui disparaissent, il y a des choses plus embêtantes pour le gameplay, comme par exemple le fait que les développeurs ont utilisé des murs invisibles pour limiter l'espace de jeu de manière très artificielle. Donc ça frustre un petit peu les attentes qu'on avait par rapport à ce jeu. D'autant que, à ma connaissance, sur PC, il n'y a pas d'adaptation prévue des jeux d'Electronic Arts tels qu'ils les ont sortis sur PlayStation 2. Donc c'était un peu la seule manière qu'on avait de se replonger dans l'univers. Et là, déception. Donc on ne va pas non plus en parler pendant Le graphisme est largement inspiré du
Ralph Bakshi, non ? C'est possible, hein, oui, c'est possible. Ouais, ouais. L'ayant pas vu, je pourrais pas me prononcer. Alors, Harry Potter, c'est une autre grande sortie évidemment attendue pour Noël, qui bénéficie elle aussi d'un film pour tirer un peu les gens vers leur porte-monnaie. En fait, le film, c'est la bande-annonce du jeu. Ou l'inverse, si on veut, ou l'inverse. Ou l'inverse. Alors, ça reste très sympathique, c'est effectivement très orienté vers un public relativement jeune, c'est-à-dire que c'est très très simple à manier, ouais. La jouabilité est extrêmement facile. Attends, relativement jeune ou des gens de notre âge? Des gens de notre âge qui ne jouent pas beaucoup. Des adolescents. Moi, par exemple, adolescents. Je ne passe jamais le premier niveau, moi je suis très content. Il est-ce que le premier niveau est bien? Le premier niveau est une sorte d'entraînement, donc à mon avis, tu devrais pouvoir le faire et passer au niveau 2. Ça, c'est laid. Du lancer de troll dans un pré, je m'aimerais beaucoup. Voilà, notamment. Moi j'ai beaucoup joué au 1, qui était vraiment bien. Ouais. Mais c'est très très bien. Hein. Je précise simplement que pour les hardcore gamers, ça va peut-être pas être vraiment le genre de choses qu'ils ont envie de se mettre sous la dent. C'est un jeu pour nous. Mais c'est plutôt un jeu pour les gens qui jouent de temps en temps ou pour les plus. Et ça respecte l'esprit de l'histoire Harry Potter, les personnages. C'est techniquement très bien réalisé, autant au niveau sonore qu'au niveau graphisme. Oui. C'est pas convaincu, toi. Non, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. On parlait justement de. Ah, ça c'est mieux. De jeux violents et des choses pareilles. Ah, Harry Potter, c'est vraiment un univers qui est calqué pour les enfants et qui marche excessivement bien parce qu'on incarne justement un enfant qui dans lequel on peut se retrouver puisqu'il n'a pas justement, c'est pas n'est pas à l'échelle des X-Men, il n'a pas des pouvoirs. Voilà. Et puis savoir aussi que quand Harry meurt pas, évidemment, il s'évanouit. Comme dans Tintin. Donc on peut reprendre la partie à son dernier évanouissement. Oui, ses pouvoirs sont assez candides, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Il peut réaliser des merveilles, mais ce ne sont pas des super pouvoirs qui servent à tuer ou à détruire. Manger le lait en Nesquik. C'est un apprenti magicien, quoi. Précisons que pour jouer à ce jeu, il faut pouvoir parler le serpent. Il faut parler le serpent. Il faut parler le serpent, oui. Tu n'as pas vu le film, Xavier ? Si, mais j'ai un peu dormi, donc je ne me souviens pas exactement de tout. D'accord. Voilà, donc ça sort sur PC, sur GameCube, sur Xbox et sur PlayStation 2. Ah, donc ça sort sur tout sauf Mac, en fait. Ouais, oui. Mais comme d'hab, quoi. Ouais, enfin, comme d'hab. Bon. Trop injuste. Laurent, est-ce que tu as envie de jouer sur ton Mac ? Non, plutôt sur la console. Ben voilà. Quelque chose qui tourne relativement bien sur Mac, quand on a le bon plugin. Oui, les sites en flash. Les sites en flash, absolument. Alors, petit rappel, Flash, donc on vous avait montré il y a 15 jours un outil qui s'appelait Fast Flasher, oui. Qui vous permettait de créer un site sans manipuler le logiciel même. En fait, facilement. La nouvelle version de Flash qui s'appelle Flash MX, elle est sortie déjà il y a quelques temps. Néanmoins, on peut en dire un petit mot. Elle est très 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 intéressante dans la mesure où elle permet d'intégrer aujourd'hui de la vidéo directement dans Flash. On peut aussi faire du streaming de vidéo en temps réel avec un outil qui s'appelle Flash Communication Server. Donc ça permet vraiment de créer des jeux en ligne. Voilà, donc Flash MX, très bon outil. Ça c'est le vrai. Et chaque année, il y a une cérémonie qui s'appelle les Flash Awards. Alors les Flash Awards remettent des prix de la catégorie linéaire, qui sont en fait des dessins animés créés entièrement sur Flash, et la catégorie interactive, qui sont des petits jeux ou des petites histoires interactives. Alors on va regarder ensemble, Xavier, dans la catégorie linéaire, le prix du jury qui est remis cette année à Steve Whitehouse, comme la Maison Blanche, pour un film qui s'appelle Kunstbar, donc le bar de l'art. Voilà, on regarde les images, vous allez voir, ça vaut le déplacement. Et donc il y a un jeu, il faut reconnaître les artistes évoqués. Voilà, alors on va jouer tous ensemble à un jeu. Ah oui. Puisque est basé sur... ça pue la fête, je vous le disais. Les tableaux, voilà. Là, Xavier, je pense, c'est une sorte d'Ali. Intelligente, quand même. Hein, voilà. Chirico, ça. Xavier, c'est toi qui joues. Ah, Chirico. Bah oui. Là, c'était le Munch, le crieur de... On peut tous jouer, hein. Donc il commande un cocktail, McIntosh, il prend un Jackson Pollock. Évidemment, que va-t-il arriver, mon cher Rudy ? Mais il va s'en mettre partout, non ? Il va se le prendre dans la figure. Oui. D'accord. Il boit un Merci. Jackson Pollock. Un Jackson Pollock, s'il vous plaît. Oh ! Ah ouais. Boumi. Et on doit deviner ce qu'ils boivent. Un Van Gogh. Oui. Van Gogh. Bien vu. Un Picasso. Alors, Picasso. Matisse. Miro. Non. Matisse. Yves Klein, un bleu. Ah oui. Yves Klein, voilà. Ça c'est Chagall. Chagall, absolument. Dans la catégorie interactive, je vais pas tout vous montrer, non. Mais c'est désopilant. Ça s'appelle The French Cook de David Berlioz. Alors le principe en fait, c'est que vous êtes un cuisinier français, mais un petit peu
rémunéré dans la mesure où il fait vraiment des plats assez immangeables à ses clients. Voilà, alors ça c'était les gagnants de Flash Award. Un petit mot Xavier, chaque année, je ne sais pas si tu te souviens, nous étions allés à Amsterdam à Flash Forward. Oui. Voilà, bah, juste un petit mot pour vous dire que cette année, on ira à Flash Forward, mais c'est pas encore tout à fait certain, parce que c'est à San Francisco du 26 au 28 mars. On n'ira pas. Hein, allô, voilà. J'appelle la production. Enfin, une dernière chose, si vous n'avez pas les moyens d'aller à San Francisco... En Thalys, on va avoir du mal. C'est en ordre. Vous n'avez pas les moyens d'aller à San Francisco, eh bien vous pouvez peut-être vous gagner le ticket en participant à une compétition qui s'appelle The Big 3D et qui est une compétition dédiée aux créations Flash en 3D. C'est voilà. Big 3D. Voilà, moi je fais The Big, toi tu fais la 3D. Electric Poupette, c'est magnifique. D'accord. Voilà, le clip de la semaine, Rudy. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Le clip, bah oui, non, mais en général on fait un package, mais là, le clip de la semaine. Un duo de musique électronique, évidemment, écossais, pourquoi pas, de Glasgow. Il s'appelle Slam, et de l'aveu même de Thomas Bangalter, c'est le groupe qui a le plus influencé et donné l'envie aux Daft Punk de faire de la musique de cette façon-là. Là, ça sera encore de l'animation, puisqu'on en sort, on y retourne, avec Positive Education, Slam. D'accord, Slam. Slam sur le label Soma, comme on vient de le voir, qui est un label pionnier à Glasgow de musique électronique. On se retrouve pour la deuxième partie de Cybercafé 2.0 dans quelques minutes après, avec les sites perso de Manu Navarro, le reportage de Laurent Steen, James Bond en jeu et bien sûr les jeux à gagner sur Xbox. Tout à fait, deux exemplaires de Halo sur Xbox à gagner. Sans oublier la blague du jour avec Olivier Gauthier-Non. Et peut-être la cagoule. Et peut-être la cagoule. A tout à l'heure. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Il est léger comme la fête. Désir et plaisir de tous les sens. Comme la fête, il possède une magie qui transforme tout. Peut-il y avoir une fête sans Ferrero Rocher? Est-ce que votre dentifrice vous protège même quand vous mangez et buvez? Colgate Total, oui. Thomas Contrôle, j'active le bouclier. Ok. Les aliments et les boissons ne peuvent pas grand-chose. Unique de Colgate Total. Bon travail, Tom. Prévenez-moi pour le dîner. Colgate Total, il vous protège même quand vous mangez et buvez. Colgate et la Société de médecine dentaire sont partenaires pour améliorer la santé de vos dents. Ce savon de Marseille, quelle pureté! Seule la nature vous offre une telle propreté, aujourd'hui combinée à la puissance extra. Votre linge sent naturellement bon, à un prix astucieusement bas. Nouveau extra au savon de Marseille, lavez avec extra, lavez malin. Vous fixez
retenez votre souffle. Votre pouls s'accélère. Est-ce la précision? Est-ce la performance? Est-ce la perfection du design? Les télévisions écran plat vues par Samsung. C'est la tentation numérique et tout le monde est invité. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 2.0, nous accueillons Manu Navarro. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Manu, pour deux sites personnels. Oui, tout à fait. Trick 404 d'abord, donc c'est un site consacré à tout ce qui est multimédia. Tout ce qui est multimédia et, voilà. Et à la cyberculture. Il faut avoir quand même une bonne connexion. Oui, tout à fait. C'est vraiment dédié aux grosses connexions, aux débits câbles. D'accord, qu'est-ce qu'on trouve sur le site? Ben, il est scindé en plusieurs parties. On a d'un côté des petites actus, anecdotiques. Ouais. Au niveau comment expliquer ça? Donc qui parlent de jeux vidéo, du monde internet, ouais. De technologie. Évidemment, toujours avec un petit côté fun et intéressant. Donc là, tu vas reprendre du contenu ailleurs, en fait. Oui, hein. Je vais trouver des petites brèves sur d'autres sites de news, un peu concentré, ouais. En fait. Répartis sur plusieurs sites et bon, ouais. que l'internaute au lieu de se taper une dizaine, quinzaine, une vingtaine de sites pour retrouver toutes ces news, c'est bien. Il trouve ça dans un petit portail où il n'y a aussi aucune pub, aucun login, enfin tout accessible facilement en quelques clics. Précisons que le site est entièrement en français parce que les petites news tu les traduis quand même. Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. Et puis il y a évidemment du contenu haut débit, c'est-à-dire des trailers, des... Oui, des sites en flash, des trailers, des petites pubs comiques, avec un design intéressant, ou généralement des choses qui sortent du lot, des choses un peu hors du commun. Comme par exemple, ce que je vais vous montrer maintenant, comment il s'appelle ce gars? Kmunk, un web designer américain apparemment. Qui montre son savoir-faire et qui est donc un jeune homme qui est assez fier. Il est prêt à tout faire, ouais. Pour ce genre de sa musculature. Tu sais qu'en Belgique, peut-être un jour, on devrait faire la même chose pour continuer à faire du web design. Il faudrait. Et donc là, il danse en boucle sur la musique. Et puis, il est la package cam. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est la package cam. Qui permet de zoomer sur le package. Voilà. C'est un designer qui a des couilles, quoi. Exactement. Exact. Mais il a plein de choses sur son site. Et il travaille, hein. Il travaille. Ouais. Il a des clients. Pourquoi ça marche? Il a des clients, ouais, dans le web design. Mais voilà la solution. Alors, iMood.net, là, c'est, j'imagine, un site vachement plus récent. Oui. Donc, bah, ça, c'est la version low débit, en fait. Oui, c'est ça. C'est la version low débit, avec de l'information. Ouais. Bah, ce site est né il y a un mois, en fait. C'est. Technologie mode, donc base a sorti il y a un mois ici sur le territoire belge. Et donc le but c'était nouveau, bon premièrement comme pour Freak, me faire plaisir et concevoir un site qui ne se trouvait pas ailleurs. Donc c'est-à-dire c'était concentrer toutes les informations, pas au niveau purement technique, mais plutôt parler aux consommateurs, l'éduquer par rapport à la technologie et puis construire, sortir aussi un annuaire, donc concentrer les ressources en fait. Ouais. Parce que la personne, leur a l'e-mode, mais bon, sans avoir vraiment d'informations, elle ne sait pas très bien quoi faire avec son téléphone e-mode, bon, à part l'email qui a une utilité vraiment réelle et directe. Et c'était concevoir des informations comme un annuaire de sites francophones. Il n'y a pas que des sites francophones, mais un annuaire où, qui est surfable en fait depuis son téléphone. D'accord. Alors une info qui est sur ton site iMood et qui est vachement intéressante, c'est la description des nouveaux téléphones, puisqu'en Belgique pour le moment il n'y a que le modèle NEC qui est disponible. Oui. Et si vous voulez savoir quels sont les nouveaux téléphones qui vont arriver sur le marché, il y a une preview du Toshiba T521i. Absolument. Voilà. Qui a l'air, oui, tu nous en as amené un d'ailleurs. J'ai amené le Toshiba, c'est le TS21i en fait. Oui. Donc ça est déjà disponible aux Pays-Bas et en France, il n'est pas encore disponible en Belgique. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je pense que ce téléphone est très sympa, il a un très joli écran, les sonneries peut-être manquent un peu de pêche, ce qui est un peu dommage parce que c'est le public pour ce genre de téléphone couleur, sonnerie polyphonique, il faut attirer par évidemment un écran couleur qui donne. Et bon là évidemment
C'est un petit peu dommage, mais en général, c'est un bon téléphone. Comment est-ce que tu fais pour te procurer tout ce matériel? Parce qu'on ne les trouve pas en Belgique. Par exemple, là, tu nous montres des photos du NEC N8, donc celui qui a une caméra vidéo intégrée. Tu vas prendre ça sur le net ou mais là, je farfouille le net un peu de fond en comble, du côté taïwanais, chinois. J'imagine que tu es évidemment un praticien de l'e-mode. Oui. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de l'e-mode par rapport au SMS ou... Pour moi, c'est l'accessibilité. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de webmasters en herbe qui construisent leur homepage pour une version Internet classique. Eh bien, ici, construire une homepage pour e-mode est très facile aussi. C'est simplement du HTML, du CHTML, donc du HTML compact. Simplement, c'est du HTML simplifié. D'accord. Donc, il suffit d'avoir un hébergement gratuit, comme on en trouve partout sur Internet, de concevoir son petit site, évidemment, dans un petit... C'est-à-dire que ça va dans un petit format, exactement. Vraiment du contenu pour l'e-mode. Vraiment du contenu, oui, il y aura du contenu sérieux et du contenu aussi fait par des amateurs. D'ailleurs, dans la nuit, j'ai mis en ligne, ça se remplit assez rapidement. Mm-hmm. J'ai bénéficié d'ailleurs du lancement en France qui a amené un gros boom sur le site et au niveau de l'annuaire où beaucoup de gens construisent des petits sites perso, des petits systèmes qui sont accessibles à tout le monde. Utile. Qu'est-ce que tu utilises par exemple comme service? Ce que j'utilise comme service, beaucoup l'email en fait. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire on peut communiquer par email entre email et un autre téléphone e-mode pourvu aussi de cet email. Et j'utilise cet email pour communiquer, j'utilise des petites choses, on va dire, légères, comme consulter les programmes de télévision, un peu regarder les news, ou quand je m'ennuie dans ma voiture, que je dois attendre 5-10 minutes, je lis un peu sur mon téléphone. Et je te remercie d'avoir mis la version e-mode de Cybercafé dans les liens de ton site. Ah, c'était un des premiers liens que j'ai mis. C'est pour ça qu'il était invité. Et c'est pour ça qu'il est invité. Ça marche merci comme ça. Merci, Valérie. Oui, ça marche comme ça, chez Cybercafé. Ça marche comme ça, chez nous. 007, c'est James Bond. James Bond. Là, j'ai cru que c'était Spider-Man à un moment. Alors, on en parle beaucoup pour le moment, évidemment, avec la sortie du film et tout le battage médiatique qu'il y a autour. Et pour faire un peu un pied de nez à tout ça, et en même temps pour essayer de ne pas se faire taxer de facilité, Electronic Arts, qui a sorti Nightfire, a donc décidé de créer de toutes pièces un nouveau scénario basé donc sur le personnage de James Bond. Pour le moment, si ce n'est effectivement que c'est le même héros, et je propose qu'on regarde tout de suite le début. Dans les grands, ils nous ont fait un beau générique à la James Bond avec musique originale, la totale. Donc c'est vraiment C'était du film là qu'on a ça vu. Ça c'était de la vidéo évidemment. Donc ça c'est le générique de début, mais je voulais le montrer parce que c'est quand même aussi emblématique de James Bond. C'est le fameux générique d'ouverture auquel on n'échappe pas ici. Alors pour le reste, on a droit à un FPS, donc un first person shooter une fois de plus. Ma foi, somme toute assez classique avec évidemment une note plus l'infiltration, puisque James Bond n'est pas Schwarzenegger non plus. C'est la grande mode, l'infiltration. J'ai l'impression très, très, grande mode, hein. Très, très à la mode pour le moment. On n'a pas parlé d'infiltration ou de plombier, au choix. Ben oui. Voilà, et bien donc là, en l'occurrence, c'est pas un plombier, c'est donc bien de l'infiltration classique, sauf qu'ici, ça dégomme quand même pas mal. Et donc, un scénario original, mais les canevas habituels, le grand méchant qui veut s'approprier une arme diabolique pour détruire le monde, rien que ça. Ah oui. Donc là, on retombe bien dans les clichés habituels de James Bond. Quelques visages connus aussi, on peut retrouver dans des films, donc on est un peu en terrain conquis, si je puis dire. Pour les fans de la série, c'est un régal parce que on se retrouve dans des environnements typiquement bondiens. On se retrouve face à des vilains qui sont typiquement bondiens aussi. Et puis Pierce Brosnan a été entièrement digitalisé pour incarner. Voilà, peut-être un jeu pour les filles. Donc c'est le vrai Pierce, malheureusement, et là je trouve ça un peu dommage parce que tant qu'à faire ils auraient pu pousser le vice jusque-là, c'est que c'est pas sa voix. Oh.
tout de suite moins. Est-ce qu'on peut faire des arrêts sur image, tout ça? Est-ce qu'on peut changer les vêtements de... Je sens la question du guerrier aussi. Parce que dans c'est la vraie question. Moi, je ne l'ai pas vu, mais pourquoi pas, je sais pas. Peut-être la scène. Est-ce qu'il y a des gadgets comme les gadgets, évidemment, typiquement bombiens? Il y en a plein. On en a vu déjà quelques-uns à l'image. Ah, il y a les lunettes infrarouges. Il y a la carte de crédit avec un scénario. Est-ce que la voiture vole ou va sous l'eau? Alors, gros point noir. Je voulais y venir par rapport à la cette voiture, on ne sait pas très bien pourquoi, alors que sur PlayStation 2, c'est ce qu'ils mettent un peu en avant. Gilles, tu me contredis si je dis des bêtises, mais disons que dans la version PlayStation 2, il y a toute une série de poursuites en voiture qui sont prévues. Tu parles de la version du même jeu? Oui, du même jeu, tout à fait. Par contre, sur la version PC, on n'y a pas droit, ce qui est un peu dommage, parce que ça varie un peu le gameplay, alors que là, ça se résume finalement à un FPS qui est de bonne facture. Attention, c'est pas non plus un... je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, si ce n'est que pour le moment, on en a plein. Dans le même genre, et est-ce que la qualité des rendus 3D est pas top? Alors, le moteur est pas extraordinaire, parce que c'est un moteur qui a été porté par la société de développement de la PlayStation vers le PC, et donc ils n'ont pas utilisé de moteur à la mode, comme c'est le cas maintenant avec les FPS, où il y a le moteur d'Unreal, de Unreal Tournament, etc., le moteur de Quake. Là, c'est vraiment un moteur propriétaire qui leur appartient, et qui n'est pas, ma foi, un moteur de toute grande beauté. Mais enfin, ça le fait pour les fans du jeu, enfin, pour les fans plutôt de... ça change un peu des habitudes, mais c'est pas non plus révolutionnaire à tomber par terre. Et il y a une série aussi de jeux, comme il y a une série de films. C'est le premier là, à ma connaissance, c'est pas le premier James Bond, mais c'est à ma connaissance la première fois qu'ils en font un jeu avec un scénario originel. D'accord. Jusqu'ici, c'était des adaptations plus ou moins fidèles à des films. Je crois qu'ici, c'est la première fois qu'ils se lancent dans l'écriture complète d'un James Bond. D'accord. Nightfire. Surtout support, donc PC, support. PS2, Xbox, GameCube. Jeudi passé. Le film, c'est Die Another Day, qui lui est sorti la semaine passée. D'accord. Voilà. Merci Olivier. Merci JC. Olivier God maintenant. Bien. Oui, Laurent. Olivier. Xavier. Je vois que vous êtes en charge du bad seat. Oui, c'est marqué comme ça sur le conducteur. Oui. C'est comme ça qu'on m'a engagé, effectivement. Bad seat. Il faut l'assumer maintenant. Alors, c'est autre chose. Qu'en est-il cette semaine? Eh bien, cette semaine, le site de la Maison Blanche, le site non officiel de la Maison Blanche, puisqu'il y a des petits malins. D'accord. Donc, ils ont pris exactement le même nom, whitehouse.org. Oui. La même mise en page, les mêmes rubriques, mais évidemment le contenu est un peu politiquement incorrect. J'ai peur que tu dises, et le même contenu, et d'ailleurs c'est le site de la Maison Blanche. Mais franchement, ça pourrait se rapprocher du vrai site. Le vrai site de la Maison Blanche, il est comique aussi. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est un comique involontaire. Ici, c'est plus volontaire. D'accord. Alors dès l'entrée sur le site, en fait, on voit les priorités. Là, c'est le vrai site que vous avez, faites attention. Hein. Donc dès l'entrée de la Maison Blanche, vous avez les priorités de l'administration Bush, et on voit qu'il n'y a pas que la lutte contre le terrorisme, il y a aussi, ils veulent carrément éradiquer la masturbation d'ici 2005. Ah oui. Parce qu'il paraît que quand les démocrates ont été au pouvoir, la masturbation a fortement évolué, notamment avec Clinton, et la violence évidemment. C'est vrai. En même temps. Ce qui a d'ailleurs valu un tollé quand l'info a circulé sous forme de canular, où on voyait directement vers cette page-là, et les gens se disaient, mais c'est pas possible, ils peuvent pas dire des choses pareilles, c'est incroyable. Là, ils vont vraiment trop. Qu'effectivement, c'est peut-être pas le vrai site. Et par contre, si tu vas sur whitehouse.com, tu peux pas te tromper, ça n'est pas le vrai site. Oui, ça ne sera pas d'image. Non, pasteur. Donc, alors, évidemment, comme sur le vrai site. Mais si tu veux éradiquer la masturbation, il faudrait peut-être qu'il coupe le whitehouse.com. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, comme sur le vrai site, sur le faux, il y a possibilité de visiter les différentes pièces de la Maison Blanche, mais évidemment avec un mobilier un peu plus différent. Et notamment, j'avais retenu la Vermeil Room, où il y a vraiment un mobilier tout très très classe. Comme vous le voyez, apaiser Georges le soir quand il boit son petit bourbon et qu'il mange son petit bretzel. Alors, autre joyeuseté sur le site, c'est le département qui est réservé aux enfants, parce que pour faire un bon patriote, autant, oui, tout à fait. Autant les prendre jeunes. Oui. Alors, il y a un espace dédié qui s'appelle For Kids Only. Alors, vous pouvez par exemple. Inscrire votre enfant sur un petit formulaire et vous avez une chance d'être photographié avec George Bush himself, qui est déjà pas mal.
Et puis vous avez une petite vidéo musicale avec la First Lady himself et le groupe Satanicide, ah, ouais, qui fustige un peu la musique du diable, le rock'n'roll évidemment. Et puis, ah oui, voilà, ça c'est une petite vidéo qui montre pourquoi les enfants décents doivent aller à l'église tous les dimanches. Et alors si vous cliquez sur elle, voilà, vous avez la version enfer, vous voyez, qui est assez parlante. Et alors il y a aussi les petits conseils de George Bush pour les enfants fumeurs. Et surtout, comment ne pas se brûler avec une cigarette. Et on apprend que George Bush dit tout simplement, il faut mouiller la cigarette. Évidemment, c'est très simple. Alors, autre joyeuseté, mais là vraiment c'est ma préférée, si vous cliquez sur le département de la sécurité intérieure, oui, on vous apprend comment démasquer les terroristes, et notamment en publiant la liste de tous leurs livres préférés. Mmh. Et j'en cite quelques-uns. Il y a par exemple « Les hommes du président », oui, « Faire son outing », ou encore « Les écrits et les discours de Martin Luther King », oui, « Vagin », bien entendu. Voilà, tout ça fait partie des livres préférés des terroristes, donc maintenant vous savez les démasquer facilement. Merci Olivier, nous avons un concours avec des jeux à gagner, Brice. Oui, tout à fait, nous avons deux exemplaires du jeu culte Halo, les gars, un très bon jeu, Halo, n'est-ce pas, les gars. Halo, H-A-L-O, deux exemplaires à gagner pour, sur le site cybercafé.tv. Pour cela, vous allez simplement sur le site, vous mettez le mot de passe qui sera aujourd'hui... Maison. 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 Ah, un, oui, très bon mot de passe, facile à orthographier en plus. attention, si vous mettez un... Nous avons aussi un partenaire presse, etc. Le numéro 2 décembre est sorti. Consacré au GSM. Et nous avons 5 exemplaires, non, 5 abonnements d'un an en fait. 5 abonnements d'un an à gagner. Vous appelez un petit, vous passez un coup de téléphone au numéro qui s'inscrit ici dessous et vous répondez à la question. Voilà, la semaine prochaine, on va en rester là. Je crois que ce sera une très bonne chose. 19h15 sur la 2, mardi prochain. Au revoir. Et plein de jeux violents la semaine prochaine. Et plein de jeux. Bah oui, c'est quoi? Aïe. Get away. Je suis un psychopathe. Ouais. Ouais.